Hey, 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 kiki mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Hunger Games of Sims. La semaine dernière, vous aviez découvert cette petite mini-série et on avait déjà perdu l'un des 8 Sims en compétition. Nous avions perdu Marjorie Tyrell. Aujourd'hui, nous allons d'ailleurs rejoindre notre petit cast. Tadam! Voilà les compétiteurs restants. Aujourd'hui, je vais les laisser dans ce magnifique château qui est King's Landing. Donc, n'oubliez pas que vous avez toute la liste des Sims et aussi des constructions qui viennent de certaines personnes qui l'ont fait. Ce n'est pas moi qui ai créé ces Sims et les châteaux du générique. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Voilà. Aujourd'hui, donc, comme la semaine dernière, je vais les observer faire leur petite vie, sauf que le premier qui se pissera dessus devra mourir. C'est le No Pipi Challenge! Allez, on est parti les enfants, vous pouvez bien sûr bouger, faire ce que vous voulez. J'ai bloqué toutes les salles de bain du château et par contre, il reste les cuisines où bien sûr ils pourront boire des verres d'eau à volonté si leur envie leur en prend et devoir pisser plus vite. Donc Daenerys est déjà parti. Attention, on va rejoindre. Ah bah ils étaient là, ils étaient ici. Ah non, ça c'est la salle du trône. Voilà, ils sont là. Daenerys est déjà parti faire quoi? Ah non, bah elle est mal barrée, punaise. Dany, pourquoi tu vas boire? Pourquoi tu vas boire? Tu n'as ni faim, ni soif. Oh, c'est pas vrai. Elle va devoir aller pisser, voilà. Oh non, mais c'est infernal. De toute façon, mais lui aussi? Ah, oh, mais c'est Dany qui a commencé, hein, punaise. Oh là là. Voilà, c'est que les Sims boivent du verre d'eau toutes les 2 minutes. Bah attendez, Stannis aussi maintenant, je crois. Eh ouais. Oh là là, c'est pas possible. Bon, bah on a déjà 3 personnes en compétition, mais Dany a commencé. Ma belle Daenerys, bon, moi je suis pro-Targaryen, donc forcément je suis pour Daenerys. Mais ça me saoule qu'elle ait été tout de suite boire. Ne finis pas ton verre. Alors bien sûr, je ne les contrôle pas, les Sims, comme vous pouvez le voir. Je ne fais qu'observer ce qu'ils font. Je ne contrôle rien. Ah, Cersei aussi va aller boire un coup. Non, mais c'est incroyable. Bah, ils boivent tous, hein, Le Night King, lui, étant toujours, pour l'instant, un vampire, il a remonté ses besoins, évidemment, mais je pense que je le retransformerai en humain pour la prochaine fois. Et comme ça, il aura le même niveau de mourir que les autres, quoi. Après, je vous rappelle que s'il sort et qu'il se fait cramer par le soleil, ça compte pour une mort également, hein. Donc comme ça sera fait. Mais oui, Cersei, bois, Cersei, bois. Bon, Dany, elle a toujours son verre à la main, mais ouais, Cersei, elle l'a bu plus qu'elle. Hein. Donc voilà. Ah, oh. Alors, est-ce que vous allez vous disputer ou pas? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ok, d'accord. Ok. Dany, elle est partie. Tu peux arrêter de parler. Je vous jure, j'aurais limite envie d'annuler des actions, mais vraiment, le but, c'est que je ne fais qu'observer. Hein. Et bon, du coup... Ah, ça y est, le Night King aussi s'est mis à boire. Ah non, il va nettoyer. Oh, mais c'est mignon. Stannis, tu fais quoi? Ah, Stannis, il fait l'idiot dans la fontaine. Pourquoi pas? En même temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Bon, bah voilà, Sansa s'est mise aussi. Ah non, pas à boire, elle va faire la vaisselle. Oh, bah dis donc, Madame Stark, vous vous abaissez à bien des choses qui ne sont pas de votre rang. Voyons. Ah bah voilà. La nature de Cersei refait surface, hein. Saleté, va. Oh. Pendant que Peter Baelish fait un peu... joue aux échecs. Ah, Dany va le rejoindre. Ah bah ils vont bien s'entendre les deux. En tout cas, c'est un peu le jeu sans parole, quoi. Ah bon, d'accord. Bon, Dany s'en va déjà. Ok, très bien. Mais dis donc, Geoffrey... Oh, elle a envie de...
Jeter une boisson. Ah, j'adore quand ils se fight. Oh, il y a une petite famille réunie. Donc, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas, Cersei est en fait la mère de Joffrey, qui est censée être un Baratheon, sauf que lui, il est pur Lannister, hein, parce qu'elle a couché avec son frère jumeau Cersei, et elle a eu Joffrey. Voilà. Et Stannis, étant un vrai Baratheon, par contre, lui, Baratheon, c'était le mari de Cersei, hein, donc le faux père de Joffrey, machin, qui avait la couronne. Donc lui, il a revendiqué la couronne en tant que pur Baratheon, mais et les Lannister, c'est des saletés, donc voilà. Bon, bref, hein. On va attendre que Dany. Ah bah Dany, t'as abandonné. Ah bah ok, bah, elle va faire des échecs ailleurs. Tout va bien. Ça, c'est la vie très intéressante des Sims quand ils ne font rien, quand on les contrôle pas. Donc là, elle discute. Ok. Puis lui sur son téléphone, c'est très RP, j'avoue. Regardez-moi ces deux intellectuels là qui lisent un bouquin. Ah, ça essaye aussi. C'est mieux. Vas-y, bah, il y a de quoi faire. Hein, choisis comment humilier les autres en ils sont. Notre ami Stanis a envie d'aller bah, se baigner dans l'immense mer qui entoure King's Landing. Hein. Bon, c'est censé être une piscine, mais on dirait que c'est la mer. Est-ce qu'on peut pas construire vraiment au bord de mer comme ça? Enfin, maintenant on peut avec Sulani, mais bon, ça reste quand même pas pareil. Ah non, il va dans la piscine là? C'est une blague. Bah oui, d'accord. Ok, bah, écoute, éclate-toi dans ta piscine. Hein. Ah mon Dieu! Geoffrey aussi, il va, mais c'est n'importe quoi. Regardez-les comme des cons dans la micro-piscine, quoi. SVP! Ça va? C'est pas trop serré, hein? Hein, pour faire des longueurs, ça risque d'être compliqué. On dirait qu'il se passe des trucs chelous dans cette piscine, en fait. Oula, 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 oula. Oh, Stanis, attention à ce que tu fais, c'est très bizarre. Oulala, bon, non, je vais arrêter là. Et Cersei, tu nous fais quoi, là? Tu nous fais du yoga? Mais c'est un tapis de yoga, ce truc? Ah bah oui. Ah bah écoutez. C'est original, mais pourquoi pas, hein? C'est pour ça qu'elle doit être aussi zen. Hein? Ah ouais. Très bien. Bon, pour l'instant, la souplesse n'est pas là. Mais pourquoi pas. Deux de fitness pour ça, Stanis. Oh my god, mais on a Geoffrey qui a une crampe. C'est idiot. Et il reste dans l'eau. Après bon, si il meurt, s'il y en a un qui meurt par accident, il meurt dans la compète, hein, je veux dire, voilà. Donc je ne vais pas les sauver, je vais dire, pas lui dire là, bah sors de l'eau, idiot. Non, c'est lui qui décide s'il est trop bête pour rester dans l'eau alors qu'il a une crampe, c'est son problème. Bon, pour Sansa, tout ça, ça commence à bien baisser, hein. Cersei aussi, ça commence à baisser, la vessie, pas la vessie. Oh, Stannis est déjà dans le jaune, c'est une bonne nouvelle. Dany aussi est déjà dans le jaune. Ah, ça m'emmerde un peu plus, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. De toute façon, ce sera le premier qui se pisse dessus. Geoffrey aussi est dans le jaune, donc ça commence à devenir intéressant. Bon, Geoffrey est toujours pas sorti de sa piscine, donc bon, pour l'instant. Bon, sans mentir, Stannis c'est le moins bien parti, entre guillemets, puisqu'il a aussi la faim qui est dans le jaune. Donc c'est pas cool, c'est pas bien pour lui, il va commencer à avoir des envies. Je veux dire que le prochain des persos qui a envie de se taper un verre d'eau, je pense qu'il est dead. Hein. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trucs à bulles. Écoute, si ça pouvait te faire pisser plus vite, moi je suis d'accord. Oh là 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 là! Stannis le premier dans le rouge! Stannis le premier dans le rouge au niveau de la vessie! Regardez, les autres s'en sortent pas mal. Stannis, je focalise dessus maintenant, puisque je vous rappelle que si il se pisse dessus, ben, il mourra. La marche du pipi pour Stannis, et oui, la marche du pipi, pisse-toi dessus et c'est fini. Ah, nous avons Sansa aussi qui commence à avoir du mal à se retenir. Et oui, oh, mais Baelish aussi. Bon, Baelish, lui, il a fait que les échecs depuis tout à l'heure, tant mieux. Dany aussi est dans le rouge, elle a fait aussi des échecs depuis tout à l'heure, tout va bien. Nous avons aussi notre Geoffrey national. Qu'est-ce qu'il a?
A perdu quelque chose, maillot de bain dysfonctionnel. Ah bah non, mais oui, après, bon, je lui ai mis l'armure quand même, mais ils vont aussi épicer. Et notre jolie, enfin jolie, notre chère Cersei, hein. Attendez, le jeu, il veut pas aller la voir. Ah bah, elle va faire des bulles avec le Night King. Bah oui, c'est logique, mais elle aussi est dans le rouge. Donc tout le monde est dans le rouge. Oh, sauf le Night King, hein, je veux dire, voilà, malheureusement. Oh, mais Stannis a décidé de faire de la cuisine. Vas-y. Alors, bien sûr, si tu mets le feu et que tu crames avec, je ne te sauverai pas. Je préfère te le dire tout de suite. Bah, on a vu trop tard, Stannis. On a vu que t'avais pas bien cuisiné. C'est quoi que tu te fais une omelette? Un toast avec œuf. Bah écoute, au moins, il mourra pas de faim puisqu'il arrive à se faire à manger. Bon. Oh, il a fait à manger pour tout le monde! Mais c'est trop mignon, je vous jure, je lui ai pas demandé de faire appel à table. Je savais même pas que ça pouvait être. Vous savez, autonome et tout, que les Sims pouvaient le faire eux-mêmes, c'est trop mignon. Ah oui, oui, je sais, mais c'est le challenge, mon petit. Faut se retenir maintenant. Oh, il y a Geoffrey qui arrive. Ah, mais c'est trop drôle, mais si t'as tout le monde qui arrive en mode. Ah oui, tout le monde va arriver manger. Oh, c'est trop chouki! Il a vraiment fait à manger pour tout le monde, mais c'est petit pas mignon. Voilà, on va voir qui s'en sort. Ouais, tout le monde a un peu envie de pisser. Le Night King, lui, il est nickel, hein, mais il deviendra humain, je pense, pour le prochain épisode. Parce que le truc, c'est que je voulais avoir les yeux bleus comme ça, parce que le Night King, hein, on est d'accord. Et que, bah, il fallait bien la danse du pipi. Il fallait bien avoir les... Tout le monde a envie de pisser. Avoir les yeux fluo, et il y avait que les vampires qui l'avaient. Alors peut-être qu'après, je le mettrai en sirène. Ma Dani! Dani, résiste! Prouve que tu existes! Ah oui. Alors, parce que vous savez, il y a les salles de bain et tout, mais je les ai toutes bloquées, hein, pour pas que justement ils aillent faire pipi. Le but, c'est vraiment de les humilier et qu'ils se fassent dessus, quoi. C'est vraiment beaucoup plus drôle. Du coup, vous en avez oublié de manger, dis donc. Ils sont intéressés par leur vessie plus qu'autre chose, hein. Il y a que le Night King qui est bien, ça y est. Ça commence à être intéressant. Je focus un peu sur Stannis parce que c'était le premier à devenir rouge. Ils commencent tous à bader un petit peu, hein, les petits, là. Ah, Sansa! Ouais, Quentin, Sansa n'est pas au plus rouge. Non, pour moi, c'est vraiment Stannis qui est au plus bas. Vraiment, pas grand-chose, mais c'est lui, hein. Donc, bah, le suspense devient de plus en plus entier, hein, mais... Oh, Baelish, il va se faire à manger aussi. Qu'est-ce qu'il se fait à bouffer? Il se fait une salade du jardin, voilà. Il prend pas de risque, lui, hein, comme ça. Tout va bien. Toi aussi, tu vas te faire à manger? Ouais, mais on t'a servi en plus, meuf. Vas-y, va à l'autre bout du château, t'as raison. Il y a une autre cuisine, de toute façon, il y en a un peu partout des cuisines. Et salle d'eau, tout ça, mais que j'ai bloqué, hein. C'est beaucoup plus drôle. Attention, Stannis a une perte de contrôle de sa vessie dans 25 minutes. Les autres, ils en sont où? 1 heure, donc voilà. 58 minutes. Donc les autres sont un peu au même stade, 56 minutes. 50... Ouais, donc c'est Stannis. Voilà. Voilà. Nous avons notre mort de cet épisode. Le vainqueur du jour, celui qui se pissera le premier dessus, sera donc, eh bien, éliminé du game. Bravo, Stannis! Là, il pue. Bon, eh ben voilà. Stannis est condamné à mourir. Ben voilà. Maintenant. Ah. C'est un peu la. Je vais rouvrir quand même les salles d'eau pour les tout le monde parce que je pense que ça va être un carnage, hein, s'ils se pissent tous dessus. Mais au moins, hop, débloqué. Bon, au moins, ce sera fait. Et on retrouve donc Stannis seul sur ce terrain avec des feux à allumer. Il se trouve au milieu de ces feux et j'espère fortement qu'il se crame la tronche. Ah, oui. C'est une bonne chose, déjà. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais si, tu peux allumer le feu, t'inquiète pas. Ne te souffle pas dessus, ce serait tellement dommage. Ok, encore un. Il y en a quand même un qui va prendre. Qui va te donner une petite étincelle qui te fera crever, mon petit. Hein? En plus, c'est un tapis, hein, que j'ai mis en dessous.
Donc, s'il pouvait effectivement prendre feu tout simplement. Si tu serais une belle mort. Hein. J'aimerais bien que tu allumes quand même celui-là. Et que tu crèves, rôti par les flammes de l'enfer. Je veux pas spoil la série, mais je pense que le bûcher, tout ça, parlera à ceux qui se rappellent, ceux qui connaissent, et vous direz oui, c'est une bonne idée de le tuer. Effectivement, dans le bûcher également. Bon, j'espère maintenant que ce foutu feu qui a tellement cramé de mes propres Sims, eh bien, cramera Stannis Baratheon. Le mec, il s'en pif de chamallow grillé, quoi. Bon, j'ai énormément de mal à le tuer, donc je lui ai foutu une piscine. Voilà! Il va enfin pouvoir y aller. Comme vous voyez, il est très fatigué. Donc, c'est parfait pour le tuer. Donc, nous allons, hop, l'enfermer dans cette jolie piscine. Et ce sera adieu Stannis. Alors, ça, c'est la flaque de pisse, hein, parce qu'il s'est repissé dessus. Il est très embarrassé. À peu de choses près, je pourrais le tuer. Mais normalement, il devrait s'évanouir et donc se noyer dans le plus grand des calmes. Voilà, c'est dommage, j'aurais voulu le tuer par le feu, mais le jeu n'a vraiment pas voulu. Je sais pas trop pourquoi. Donc maintenant, on va attendre qu'il se noie. Voilà. Oh là! Ah mais il fut temps là! J'en ai marre. J'en avais marre! C'est fait plus violent, mais ça fait des lustres là qui doit crever. Ah, j'en pouvais plus! Quelle résistance! Tu avais perdu, Stannis, ça servait à rien de se battre! Oh, mort suprême! Fais ton travail. Ah! Nous avons Mordurée qui est sorti de sa tombe! Ça te fera un compagnon! C'est pas grave! Regardez-moi la belle. Oh, la bichette! Ça te fera un nouveau compagnon! Ce sera vraiment le foyer fantôme, quoi. Hein, ça tombe étant là. Stanis, oh, regardez avec la lune qui flotte. Enfin, qui a le reflet de la lune dedans, c'est magnifique. Ah, je vous jure, il était temps, moi, j'en avais marre, marre, marre de ce Stanis. La 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 ta la ta ta. Allez, petite faucheuse, emporte donc son âme. Et nous en aurons terminé. Alléluia! Il était temps, la partie est donc terminée pour Stannis Baratheon et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du Hunger Game of Sims. Les paris sont toujours ouverts dans les commentaires. À des gros bisous à vous, à très bientôt. Ciao.